deux ans. Ça serait bien que je fasse des vidéos. De toute façon. Ça serait marrant en fait, oui. Ouais, ça serait pas mal. Puis je viens d'avoir une caméra. Ça va m'en servir. Elle est où? Ah, elle est là. Tu voudrais bien être mon caméraman parce que j'ai pas de pied pour mettre la caméra. Et ouais. Non mais il y a des gens qui disent que c'est plutôt pas mal de pour se libérer, tu vois, c'est comme le théâtre mais un peu moins fort, tu vois. Parce que t'as moins de chances d'avoir du public, enfin. Ouais. Ouais, je voudrais bien, c'est. Ouais, de toute façon. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Voilà, la caméra est allumée. Par contre, on n'y voit rien dessus. Tu veux bien allumer la lumière? Non, non, t'as la flemme. Ok, bon, je vais. Voilà. Ouais. Ouais, mais non, on va pas tourner alors qu'il fait aussi tard. Ouais. Non, ok, attends. On va. Oh, la qualité, elle est pas mal. J'aime bien. On va virer ça. Donc, ça c'est le bordel ici. Oh, j'ai la flemme de ranger. Tant pis. De toute façon, c'est une première vidéo. Donc, ouais, j'avais pensé, genre, je me filme là. Et toi, tu pourrais te mettre sur le lit et tu pourrais me filmer. Attends, genre comme ça. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Après, faudrait t'inviter à chaque fois si tu donnes mon caméraman. Oh, je trouverais bien moyen. Ouais, c'est. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vues ou si je vais faire beaucoup de vues. Je pense que je vais faire. J'ai peur de faire beaucoup de vues et d'être très, très mal jugé. Ah, ça c'est ma plus grande peur. Je vais pas faire de scénario, j'ai une espèce de petite idée de ce que. J'ai une espèce de petite idée de ce que je vais faire. Ouais, c'est pas. Ouais. Merci. Hein. Où est-ce qu'elle est la caméra? Allez là. Voilà. Bon. Qui c'est? Je vais peut-être atteindre le million. Bon, minimum. Bon, allez, 100 vues. 1000, je sais pas. Tu verras bien. Ouais, je pense que ouais. Ouais, ça sera pas mal. 2 ans. Commence à me faire vieux. Salut à tous, je suis Monsieur Air Max, mais vous pouvez aussi m'appeler Air Max. Et 2 ans. Tout ce que j'ai à dire. Avec encore cette caméra qui me coupe la tête. Voilà. Et la dernière fois j'avais fait un épisode sur pourquoi. Où j'avais fait surtout du pourquoi. Mais là j'ai plus parlé de moi, sans vouloir être narcissique, car à l'époque. Il n'y avait pratiquement que du pourquoi. Il y avait quelques exceptions, mais il n'y avait pratiquement que du pourquoi. Et là, par contre, il y a eu plein, je dis plein, plein d'autres trucs avec pourquoi. Donc je vais parler de pourquoi, des autres émissions, et de comment j'étais dans ces moments-là. Bah, je vais vous parler de moi et ma chaîne. Mais je ne vous parlerai pas vraiment de moi personnellement, car...
Bah, c'est personnel. Et je ferai ça vraiment quand j'aurai peut-être plus d'abonnés si ça arrive un jour. Pour l'instant, là, je pense pas. Du coup, faisons un petit voyage dans le temps. Et allons dans la DeLorean. j'aurais bien fait un montage où je monte dans la DeLorean, sauf que je ne suis pas très fort en effets spéciaux. Donc revenons au premier épisode de pourquoi et bien, nous sommes dans le passé. Crève de chaud là-dedans. Nous allons faire un petit flashback. Ah, c'est déjà fait. Bon. Eh ben, vous avez vu. En gros, je voulais juste faire des vidéos. Mais c'était pas pour rien. C'était aussi parce que je voulais tester l'expérience. Et je voulais rajouter un peu du contenu sur YouTube. Mais c'était surtout pour tester l'expérience. Ça m'avait l'air sympa. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà, ah, je vais retirer ces machins. Et nous voilà à l'épisode 2. Oui, je sais. En épisode 2, je n'avais pas ce t-shirt, mais le jour même, je l'avais. Mais je l'avais gardé pour ce passage. Eh oui. Et oui, j'avais mis un autre t-shirt exprès. Et en fait, voici un peu ce qui s'est passé. Il est gentil que qui veut que je fasse une vidéo. Je vais quoi faire moi. Moi je vais aller cliquer sur YouTube. Allez. C'est parti. Carrière. En gros, comme déjà dit, c'est Mars51Gaming qui m'a demandé de faire des vidéos, de refaire des vidéos. Il en faisait pas avant, mais il allait commencer ses vidéos lui aussi. Et c'est comme ça que nos vidéos ont commencé. Et j'ai repris du plaisir à refaire du montage et tout ça. J'ai eu de nouvelles sensations pour le montage et tout. Et franchement ça m'a redonné envie. Passons à la troisième vidéo. Pourquoi je fais ces gestes là? Vous l'aurez peut-être compris. La troisième vidéo de pourquoi? Ouais. La troisième vidéo, pourquoi? Ce fut une troisième vidéo. Et j'ai rien d'autre à dire, je me suis éclaté dessus. Je me suis éclaté à faire double, je me suis tout éclaté à faire... Enfin voilà, c'était un épisode tout comme le deuxième. Assez sympa à faire et j'ai adoré le faire. Après je sais pas ce que je vais dire d'autre. Parce que c'est à partir de l'épisode 2 où j'ai commencé à fuser pourquoi tous les week-ends. Du coup je fais une petite ellipse. Petite ellipse parce que vous avez bien vu que là je commence à manquer d'arguments. Tout simplement parce que l'épisode 1, bah, c'était le premier épisode, c'est normal que j'en parle le temps. L'épisode 2 c'était grand retour, l'épisode 3 c'est la confirmation de mon retour, et puis après j'ai commencé à tout continuer en faisant par exemple les FNAF au piano, qui peut-être un peu arrêté, mais c'est parce que j'aime pas trop la qualité de ma caméra, et je vais les reprendre, c'est sûr, un jour je veux les reprendre, j'ai trop envie de jouer du piano avec vous, mais il faut une meilleure qualité, voilà, c'était une petite info, donc je le ferai quand j'aurai une meilleure qualité. Et après je me suis amusé avec le pourquoi sur SLG ou
où je me suis amusé à faire des personnalités multiples et à faire certains trucs de montage, je me suis dit, ouais, je suis trop fort, alors en fait aujourd'hui ça me paraît tout à fait normal. Avec celui sur les chats que j'étais obligé d'en parler avec mes... maintenant j'en ai 9. C'est lui, je sais plus combien. J'en ai 9, oui, je vais bientôt en avoir 10, mais j'en ai 9. La présentation de ma chaîne, il faudra que je change. Parce que maintenant je suis avec Kazé et ça commence à dater cette présentation. Même si elle est bien, il faudrait que je change. Mais il faudrait que je fasse un truc qui soit aussi bien qu'à l'époque. Ouais, des petits trailers que j'avais commencé, c'était marrant, les plus actifs de Pourquoi sur Noël, c'était un tout petit, ça se voit, c'est mieux. Des infos, encore des chemins au piano, et des trucs spéciaux, joyeux années, c'était mon premier Pourquoi spécial d'ailleurs. J'aurais pu en parler face cam, mais j'aurais pas grand chose à dire, à part bah c'est là où j'ai fait des vrais décomptes, parce que le premier épisode, j'avais pas tout à fait ce que je voulais en tête. Je l'absente avec des premiers trucs un peu chelous, mais maintenant vous savez c'est quoi. Des deuxièmes infos, Monster Hunter, que même à l'époque j'étais plus dedans. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à revenir sur Monster Hunter, alors qu'avant je m'éclatais, c'était parce que je faisais ça avec un ami. Du Die in the Fire que certaines personnes m'ont demandé, que je vais faire en remix et en staff promo. Voilà, des trailers, mes premières vidéos avec un logiciel de capture qui était bof à l'époque, mais pour moi c'était assez bien. Un remix. Et enfin. Et ouais. Après tout ça. Essayez de deviner c'est de quelle vidéo. Un indice, elle ressemble à celle-là. Je mets un autre indice. Bon. Ouais, parce que j'étais obligé de vous en parler de tout ça. Hey, alors pourquoi c'était pas rien. Mais 2 ans, c'est encore encore pire. Du coup, j'ai fait cette vidéo comme je fais cette vidéo-là. Parce que même si j'ai genre 1 million de montages, que j'ai des ennemis sur ma route, ça a totalement aucun rapport. Ben, il fallait que je fasse cette vidéo. D'accord. Ouais, je suis pas mon chat. Bon. Et du coup... C'est... 2 ans. Ah, quand je me dis, il y a 2 ans, j'étais là, je me disais, ça va, je vais essayer d'aller voir. Enfin voilà, c'est... ça... Voilà. 2 ans. Et à cette époque j'avais même fait un petit voyage dans le temps comme je fais là, sauf qu'en fait c'était par rapport à des moments de chaque vidéo, chaque pourquoi. C'était sympa et j'avais fait un pourquoi sur pourquoi en général. Maintenant je fais pourquoi sur le plus grand entendu, moi, Hervé Max. Car en même temps de vous parler de pourquoi, je vais aussi vous parler de moi, ça paraît logique. Bon, enfin, cette vidéo était bien, mais il y avait pas beaucoup de choses à dire, donc on y retourne. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et là, c'est le drame. Après mon épisode 10 sur les trucs chiants de Monster Hunter, que je trouve que lui-même il est chiant, et ben à la fois j'avais plus de temps pour faire un... faire des vidéos, donc j'en ai beaucoup moins fait, et aussi pour les pourquoi, et à la fois je perdais un peu l'envie de faire les pourquoi. J'en avais marre de faire les pourquoi tous les jours. C'est pourquoi si, pourquoi ça, à chaque fois il fallait que je trouve des questions sur le sujet. Et vous me direz, mais pourquoi tu as pris ce sujet alors si tu n'avais pas de questions? Parce qu'il y en avait plein que je me posais auparavant. Mais le jour même, quand je me dis, tiens, je vais faire un pourquoi dessus, je n'avais pas ces questions. Enfin si, mais elles sont venues bien plus tard. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas tant que ça. Mais c'était chiant. Je cherchais pour les questions, je cherchais une probable réponse, on fait des choses comme ça, faire un scénario et tout. C'était chiant. Et du coup, j'ai fait plus de gaming, plus de...
d'infos, plus de réactions, chose que je ne faisais pas au tout début de ma chaîne, quoi. Que des trucs que je me suis dit, bah justement, ça c'est bien. Bien que du coup, j'ai beaucoup de montage à faire en ce moment même. Et du coup, pendant très longtemps, enfin peut-être pas énormément non plus, mais assez longtemps, je n'avais pas fait de pourquoi. J'avais fait un espèce de teaser il y a 9 mois de cela. Mais voilà. Le pourquoi n'est pas venu avant 7 mois. J'avais fait un teaser 7 mois avant le vrai prochain pourquoi. L'épisode 11 sur les mystères non résolus de Five Nights at Freddy's, qui m'avait fait un peu chier, on va dire, à tourner, car j'avais fait ça pendant les grandes vacances. Mais le montage m'a un petit peu redonné envie. Donc j'ai peut-être un peu fail dans le tournage, mais j'ai essayé de bien améliorer les choses dans le montage. Et ça m'a plus redonné envie. Parce que en plus l'épisode 11, je voulais vite m'en débarrasser, quoi. Car ça faisait longtemps que je l'avais et je voulais faire autre chose. Et pendant ce temps-là, il y a eu plein de trucs qui s'est déroulé entre l'épisode 10 et l'épisode 11. Et je vais vous faire une petite liste. Donc si je reprends à partir de l'épisode 10 qui est là, j'ai fait le let's play de Five Nights at Candy's, que j'ai toujours pas monté la suite, mais vous inquiétez pas, je le ferai vraiment. Je sais pas si ça servira à quelque chose, mais c'est un peu... Maintenant c'est devenu un délire, que le Five Nights at Candy's, la fin qui n'est toujours pas faite. Enfin voilà. Il y a deux épisodes qui sont encore à faire. Et il date ses tournages. Oh, ça va faire un petit coup de vue, hein, je vous le dis. Il y a quoi aussi, j'ai fait aussi des teasers de Undertale. Je m'amusais surtout à faire des infos et des nouvelles de la chaîne. C'était sympa à faire, c'était tranquille, mais c'était plutôt posé. Maintenant je vais les faire un petit peu moins posé, désolé, mais c'est chiant à monter. C'est vraiment chiant à monter, c'est mieux à musique, là. Voilà, c'est t'as envie de dormir. Après là, si je fais un peu plus avec un certain humour, ça se dit pas, un certain humour, je sais pas si le H est aspiré ou pas, on s'en fout. Eh bien, je pense que ça passerait mieux. Donc oui, j'ai fait 3 teasers pour le let's play de Undertale. J'ai ensuite... Ah oui, j'ai continué les Five Nights at Freddy's et j'ai fait du Undertale en même temps. Il y a eu du Hardcore Chrono avec Kazé. Je crois que c'est même la première vidéo que j'ai fait avec Kazé Shinmi. Ouais. C'est pas ça qu'on fait normalement, mais c'est pas grave, on s'en fout. Gloire à toi, gros grand Kazé Shinmi. Gros grand... Bon bien. après, j'ai fait des parties d'Undertale. J'ai fait mon premier spin paint et le seul pour l'instant. J'en ai d'autres, mais c'est dans les milliards de montages que j'ai à faire. J'en ai un seul autre. Oui, j'en ai pas fait d'autres depuis parce que je me suis dit, il faut peut-être que je le fasse celui-là. J'en ferai sûrement d'autres. Parce que je trouve ça marrant les spin paint. Bien que souvent les gens veuillent voir la fin, moi le premier, mais il y a certaines personnes qui aiment bien ça. On a aussi fait The Vanilla Nightmare, qu'on a abandonné, mais qui va être remplacé par autre chose, avec aussi un scénario, vous inquiétez pas. Je pense pas que vous vous inquiétez. Et après, voilà, on a le trailer que je vous ai parlé, là, point d'interrogation à l'envers, machin, j'ai la flemme de le dire. Et en gros, c'est... voilà. C'est un trailer que j'avais fait. Plutôt sympa, voilà. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de montage. Enfin, voilà. Des infos du Skyward avec Fanta Bob. Non, pas Fanta Bob. Du Skyward avec Kazé Shinmi. Et je crois que c'était ma première vidéo avec PVC Sam. Pareil, c'était cool de voir PVC Sam. C'était un ami que j'avais pas vu depuis un petit moment en fait. Et je savais pas qu'il faisait des vidéos YouTube. Et...
pouvoir faire des vidéos avec lui, c'est plutôt sympa. Ça a permis de nous re-rencontrer, malheureusement pour lui. Enfin voilà, c'était plutôt sympa. D'autres vidéos réactions sont venues, elles ont moins été vues que la première. Je sais pas pourquoi. On avait la fin normale de Undertale, la fin pacifique de Undertale, la fin génocide de Undertale, mais avant la fin génocide, il y a eu que tous mes abonnés regardent. Celle-là, c'était une vidéo qui était sympa à faire, vraiment marrant. J'avais parlé de ma nouvelle série, mais encore une fois, la nouvelle série viendra après la fin du montage, tout comme un nouveau let's play. Enfin voilà. Du coup, j'avais là aussi, je crois que j'avais parlé de mon pourquoi. Du prochain pourquoi, qui est encore une fois venu 4 mois plus tard. Enfin voilà. J'ai continué des remixes, j'ai continué des vidéos avec Kazé, j'ai encore fait des remixes, j'ai fait des jeux, j'ai fait la mode en pacifiste de Undertale, j'ai fait l'interview exclusive des créateurs de pourquoi, encore un espèce de teaser, alors que le truc venait 3 mois après. Mais bon, j'essayais de redonner l'espoir aux gens. Donc quelques gens qui aimaient pourquoi, c'est pas comme si j'avais 1 million d'abonnés, enfin voilà. J'ai refait des remixes, Gravity, à nous. Ah ! Je retire ce que j'ai dit pour le fait que mon pourquoi est venu 7 mois plus tard après le teaser et tout ça. Car en fait, il y a eu un autre pourquoi. Ah, faut que je revienne en haut. En effet, je vais devoir remettre les vêtements de l'époque. Non, sérieusement, je sais pas pourquoi je fais ça. J'aime bien faire des vidéos ou anniversaire, et la preuve. La preuve, c'est de là, je suis un peu plus posé, il y a moins de scénarios, moins d'écriture, La preuve. Depuis tout à l'heure, on dirait que je sais ce que je fais, je suis dans le scénario à fond, j'ai fait un texte et tout. Eh bien non. Je me laisse parler. Car le scénario, il vient automatiquement. Parce que j'ai envie de parler de ça. Attends, un anniversaire, c'est pas tous les jours. De plus, l'anniversaire de ma chaîne n'est pas loin de mon anniversaire à moi. Et ça me fait penser que du coup... Moi aussi, je fais bonjour. Enfin bref. Et du coup... J'ai voulu faire cet anniversaire de PVCSM, bien qu'il soit en retard, celui-là, cet épisode-là, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit en retard. Mais c'est parce qu'en fait, pas le temps. Mais après, PVCSM m'a dit que bah, c'était plus mon anniversaire, enfin c'est plus l'anniversaire de ma chaîne maintenant, c'est dommage. Mais j'ai quand même voulu faire l'épisode, parce que je voulais le faire, quoi. Je voulais faire mes remixes pour lui, je voulais faire des petites musiques pour lui, je voulais m'éclater pour lui. J'ai fait une vidéo spéciale pour lui qu'il n'avait même pas regardé avant. C'était mon petit cadeau que j'ai fait en plus. C'était sympa à faire. Mais j'ai pas compté ça comme un vrai pourquoi. Enfin si, c'est un vrai pourquoi, mais je veux dire... Il s'appelle épisode 10,5. Déjà d'une, parce que j'avais déjà tourné le 11 avant. Du coup, je me suis dit, ça ferait con d'avoir 2-11. Et de 2, car c'est bien gentil de faire un épisode pour l'anniversaire de PVCSM, mais on voudra bien le retour des pourquoi définitif. Et du coup, je le compte comme un épisode, mais c'est pas le vrai retour des pourquoi. Car si on descend... La flemme de faire de couper ce passage, voilà. Oui, je suis une fainéante, je vous en viens. Et bien si on descend, nous pourrons remarquer que... Ah. Qu'il y a eu encore du temps avant le pourquoi. On a eu du remix encore. On a eu la première vidéo de Kazé. Il avait enfin eu son micro, enfin presque. Et enfin, il a pu faire un info des nouvelles de la chaîne à sa version. Et franchement, ça fait du bien de le voir, et ça fait encore du bien de le voir sur ma chaîne. Euh...
Il pense qu'il fait des vidéos nulles alors qu'en fait c'est quelqu'un qui compte vraiment pour la chaîne. Sans lui, je sais même pas si je continue à la chaîne. Peut-être sûrement, ouais, mais je serais vachement déprimé. C'est vraiment quelqu'un qui compte vraiment pour moi, pour PVC ça, mais franchement, on est content qu'il soit sur la chaîne. Grâce à lui, il y a plus de variété que du Undertale sur la chaîne. Ça fait combien de fois que je dis vos chaînes? Bref. Et du coup, maintenant, si vous voulez du Trackmania, allez regarder ses vidéos. Et si vous voulez du Undertale... enfin voilà, je pense que j'en ai fait assez beaucoup du Undertale. Qu'est-ce que je fais? Du coup, oui, je suis vraiment content qu'il ait été là. Après, le save PVC Sam, hashtag save PVC Sam sur la chaîne de PVC Sam pour son let's play sur Undertale. Et sur ma chaîne, j'ai mis le bêtisier. Mais je pense que j'ai fait d'autres vidéos avec PVC Sam dans le passé. Juste avant, même avant le pourquoi sur son anniversaire, j'ai fait le 666 Building Games. Car PVC Sam était 3 fois 6ème. Du coup, ça nous avait bien fait marrer. Et juste avant, sa vidéo de juste avant, c'était avec Kazefini, c'est sur Gravity. Allez voir sa chaîne, elle est géniale, PVC Sam. Enfin voilà. Il a aussi fait du Robocraft avec Kazé, on a fait plein d'épisodes de Mario 64 ensemble avec PVC Sam. Du Détermination. Enfin voilà. Et pour en revenir à ma chaîne, parce que c'est un peu le sujet. Eh bien, pour en revenir à ma chaîne, après j'avais fait l'épisode 1 de Voyage au Centre, enfin de Nostalgie, au Voyage au Centre de ma chaîne. J'ai encore 2 épisodes qui font partie des montages que j'ai encore. Enfin voilà, c'est un peu ce que je fais là, sauf que là c'est vraiment... Je vous fais un petit voyage dans le temps et je vous explique tout. Là aussi, mais... C'est plus précis. Là en fait, dedans c'est plus précis, c'est plus pour chaque vidéo. Là je vous parle par période. Enfin voilà, c'est pas pareil, là c'est moi. Après j'ai mis le trailer de Five Nights at Hervé Max. Alors ça c'est pas juste un délire que j'ai fait. Five Nights at Hervé Max, il y a une histoire dedans. Vous pourrez essayer de le chercher. Il y a genre un truc global, il y a plusieurs histoires en fait. Il y a un truc global qui est sûr pour toutes les histoires possibles. 3 histoires dans ce truc global, c'est genre le truc global c'est genre ça se passe dans un... C'est un truc global. 3 histoires. Genre, je sais pas, il y a une histoire où le personnage qu'on incarne, enfin qu'on incarne entre guillemets, je sais pas, c'est un porte-manteau, dans un autre c'est mon chat, enfin voilà, c'est un truc dans le genre. Et dans ces 3 machins, il y a tous les arguments, toutes les preuves et tout ça. Enfin voilà, c'est un petit croquis que vous pourrez faire. Enfin, je pense pas que ça vous intéresserait, mais bon. Et il y a des easter eggs d'ailleurs dedans. Et il y a même le méga supra easter egg du monde. Si vous le trouvez. Dédicace à ceux qui le trouvent. Même si ça sert à rien, j'ai 33 abonnés, je pense pas que ça serait... Wouh, mais aussi Hervé Max m'a fait une dédicace. Tout en même temps, j'avais commencé le Mario 64 avec Monsieur PVC Sam. Voilà. Ah, il y a beaucoup de fans à Hervé Max en fait. J'ai pas... J'ai mis tous les jumpscares, j'ai encore fait du Mario 64. Kazé a encore fait des vidéos Blitz Battle. Non, Bulls. J'ai du mal. J'avais bien aimé sa vidéo, franchement. Et voilà la vidéo mystérieuse. Mogégé. Oui, on dirait Mogégé, mais c'est Mogégé. Les vidéos mystérieuses, Mogégé coincé dans l'inconnu partie 1, coincé dans l'inconnu partie 2, et 3 petits points, ainsi que Mogétail épisode 1. Je vous expliquerai plus tard, dans une autre vidéo. Sinon celle-là sera trop longue. J'ai aussi fait donc du Détermination. Kazé a fait... du World of Tanks qui nous a fait ces délires du char retourné qui explose. Ça, à chaque fois on en rigole. La bonne rigolade. Du Mario 64, le dernier épisode qu'on a sorti, mais c'est pas le dernier, on en fera d'autres, mais pas pour maintenant. Hein. Avec Bowser. Et enfin...
qui était enfin là. Ça m'a fait chier le montage, mais ce fut le retour de pourquoi. Car à partir de là, les pourquoi ont fusé. Enfin non, pardon, pas fusé, parce que là c'est le 13e seulement. Mais ça a recommencé à venir. À l'époque, j'avais fini ce montage et je voulais absolument refaire les pourquoi. Ça m'avait redonné envie. Et bien que j'ai fait la nuit 6, qui soit très lol, elle a que 5 vues, mais je suis sûr les gens, ils sont fiotistes, ils ont fait la nuit 6, j'ai pas envie de la regarder. Mais franchement les gens, allez regarder la nuit 6. C'est pas une nuit comme les autres. j'ai fait un best-of de l'année, c'est pour ça que j'en ferai pas dans cette vidéo, je suis désolé, mais ça servira à rien, j'en rajouterai quoi, je sais pas ce que j'en rajouterai. L'épisode 1 de Mogetail, juste sachez que c'est pas moi qui sort ces vidéos. L'épisode 1 d'Assassin's Creed de Kazé, des trucs comme ça. Et enfin une vidéo que PVC Sam et moi voulions absolument faire. Et tu sais, on pourrait faire l'épisode sur Minecraft maintenant. Maintenant que j'ai fini les pourquoi 11. Ouais. Content. Il est content. Allez, on va le faire. L'épisode 12 sur Minecraft. Ça fait longtemps que PVC Sam voulait le faire. Il désespérait, il avait plus, il croyait plus. Il pensait que je le ferais jamais. Au final, j'ai fait cet épisode, et avec lui. Et franchement, c'est vraiment amusé sur le tournage. Un peu moins sur le montage, parce qu'il y avait des problèmes et tout, mais... Des problèmes de son, si vous avez remarqué. Mais on s'est vraiment amusé. Franchement, ça m'a redonné le goût du pourquoi. Enfin, voilà. Après, on a eu des infos de Noël de la chaîne, version Kazé Maxime au complet, mais... Le son était... On a eu l'épisode 5 de Trackmania par Kazé et j'ai fait l'épisode de Termination. Mais voilà. Et... Il y a eu aussi l'épisode 2 de Mogetail. Mais voilà, c'est... Voilà, voilà. Mais voilà, tout ce que je... Il y a beaucoup de voilà. C'est parce que je vous dis, j'improvise. Pourquoi j'improvise ? Je veux pas écrire un truc pour cet épisode. Je veux pas faire mon fou, je veux pas faire des blagues, je veux juste vous dire merci. C'est vrai, 33 abonnés, c'est pas le top. Si je dis ça à quelqu'un, il va faire waouh là là, oh c'est beaucoup. Mais je sais déjà c'est pas des amis. Parce que j'ai pas 33 amis. J'en ai 10 pour moi. Non. Et j'en ai encore moins qui sont abonnés à ma chaîne. Et franchement, il y a même des gens qui viennent d'autres pays qui sont abonnés à ma chaîne. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment gentil. Vous êtes vraiment des personnes que j'adore. Et on voit bien que YouTube a souvent... Enfin, ça a souvent des mauvaises communautés. Mais YouTube, c'est pas que ça. Il y a souvent des bonnes communautés aussi. Par exemple, sur la chaîne de... Pimox PVP qui est un ami à moi, d'ailleurs bonjour Pimox si tu vois cette vidéo. Il a 4000 abonnés et ils sont tous sympas avec lui, ils le soutiennent et tout. Franchement c'est génial. Je trouve que les spectateurs sont vraiment géniaux, c'est la teuf. Et je peux pas dire ça pour avoir plus d'argent, je monétise même pas mes vidéos les gens. Je monétise rien. De toute façon j'aurais quoi, 2 centimes. Ah oh, merci pour les 2 centimes. Voilà. Et juste merci de me suivre depuis aussi longtemps, de pas m'avoir abandonné comme ça en mode tiens allez vas-y casse-toi, pourquoi tu vis tiens. Voilà, c'est vraiment gentil. Et juste, si je devais dire quelque chose au moi d'il y a 2 ans, ce serait... N'abandonne pas. Okay. Tu vas t'éclater. T'auras des difficultés, mais tu vas t'éclater.
Tu sais qu'il y a un mur là? Je sais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner si vous en voulez plus et si vous voulez que je continue et pourquoi. Et surtout ma chaîne, enfin notre chaîne plutôt maintenant. Et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être un autre pourquoi. Allez, bye bye. Pour pouvoir retirer tous ces pulls que j'ai mis durant la vidéo.